Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver enfin dans la troisième émission de Gascarian Woman on Top. Sauf que pour la troisième émission, ça va être un tout petit peu spécial. On va plus se concentrer sur la jante masculine. La jante masculine malagasse a aussi beaucoup de talents à découvrir. Et aujourd'hui, nous avons une personnalité que j'affectionne particulièrement. Comme invité, nous avons Aaron de Aaron en parle. Vous connaissez sûrement, il est sur Facebook avec plus de 15 000 j'aime. Il a une chaîne YouTube bien entendu avec presque 800 abonnés et plus de 34 500 vues. Aujourd'hui, nous avons Aaron dans l'émission avec un petit interview et des extraits de ses vidéos. Je vous invite à regarder tout ça avec moi. Alors, je vais répondre à des questions que Gascarian Channel m'a posées, des questions sur moi et sur moi. Donc bon, on va commencer. Alors, petit 1, présente-toi brièvement. Alors, je m'appelle Aaron, ou Aaron comme vous voulez. Mais je préfère Aaron parce que ça fait un peu plus... Let's go to the party, Aaron! Aaron, c'est ton nom de scène. Aaron ou Aaron, c'est mon nom de scène et en même temps, c'est mon vrai prénom. J'allais pas appeler la page Gérard, c'est mon vrai nom. Depuis quand tu as commencé ton aventure YouTube? Alors, on est le 17 janvier, j'ai commencé en mois de septembre. Pas cette année, pas 2014, mais 2013. Je venais d'arriver en France, j'étais un petit peu paumé, je racontais mes galères, comment je devais me nourrir, comment... Enfin, des petites galères d'étudiants qui arrivent dans un pays étranger, tu vois. Et c'est comme ça que ça a commencé. L'humour, une vocation? As-tu beaucoup d'humour, même au quotidien? Penses-tu en faire un métier? Une vocation... oui, en fait, je voulais vraiment, pardon, je voulais vraiment montrer de l'humour à mes proches déjà et enfin, je voulais montrer que je pouvais créer des trucs et des trucs drôles et m'amuser en même temps beaucoup parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos, je m'amuse en même temps. C'est pas un truc genre hyper sérieux. Alors tiens ton script, tu fais ce texte, ferme ta gueule, allez vite. Et les gens que j'amène dans mes vidéos, c'est-à-dire les meufs comme les mecs. On rigole beaucoup, c'est... Et j'ai pas mis tous les bêtisiers sur ma page, mais il y en a beaucoup des bêtisiers. Et en gros, c'est vraiment un amusement, c'est trop du fun. As-tu beaucoup... Mais j'en peux plus, quoi. Faut vraiment que je lui dise ce que je ressens. J'arrive plus à dormir, j'arrive plus à manger, j'arrive plus à me prendre... Ah si, ça j'y arrive quand même. Bon, allez, je me lance. She's making me back like a bingo, and I'm gonna try to be single. And the way that she's dancing, I don't know. One, two, two. Wine slow for me, tick tock for me, baby jump it like that. I want to move slow to me, cautiously, baby I love it. D'humour, même au quotidien, ça dépend avec qui, mais oui, j'ai vraiment beaucoup d'humour, surtout avec les gens avec qui je suis vraiment à l'aise. Parfois, j'ai besoin de me rapprocher de la personne pour être un peu plus, pour me lâcher un peu plus. Je suis pas hyper extraverti de ouf, comme quoi, ouais, vous voulez tous rire? Allez, j'ai une blague de merde, allez! Si on fait un métier, j'aimerais bien, franchement, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des vidéos? L'envie, déjà. Je voulais faire des scènes de films. C'est ça, mon trip, tu vois. Quel humoriste t'inspire le plus? Tu peux... Non. Quel humoriste t'inspire le plus? Jamel Debbouze. Ensuite, maintenant, avec la vague YouTube et tout ça, il y a Mister V que je kiffe vraiment avec son whoop. 5 adjectifs qui te correspondent le plus. Énergique, mais pas tout le temps. Authentique, mais pas tout le temps. Sympathique, mais pas tout le temps. Ouvert, parce que toujours j'ai les jambes ouvertes comme ça. J'ai les bras ouverts comme ça. Et le cinquième, je sais pas du tout. Emblémique. Je sais pas ce que ça veut dire. Tes résolutions pour 2015. Monter dans le level. Déjà, que ça amuse toujours. Moi et mes potes et tous les abonnés. Enfin, hyper drôle, quoi. J'ai envie de moi-même pisser de rire en envoyant ma vidéo, tu vois. Un truc de ouf. Un message à passer. Bonjour tout le monde. Faire des vidéos, c'est vraiment un kiff pour moi. Merci aux 15 000 personnes qui regardent mes vidéos. Et merci à Gascarian Channel aussi pour cette interview, pour ces questions.
si vous avez des projets pour 2015, j'espère vraiment qu'ils vont se concrétiser. Et j'espère que cette année va être formidable pour toi et toute ta famille. Merci beaucoup. Allez, salut, garde la pêche. J'espère sincèrement que vous avez adoré cette émission. J'espère vous retrouver très très bientôt pour d'autres invités, bien entendu, toujours venant de la diaspora malagasse. Et pour certains qui se demandent pourquoi se concentrer sur la diaspora malagasse, tout simplement parce que les malagasses talentueux de Madagascar sont déjà entourés de plusieurs chaînes nationales, mais également internationales. Donc Gascarian Channel a voulu vraiment promouvoir la diaspora féminine et maintenant masculine malagasse également, voilà, de par le monde. Alors si vous faites partie, bien entendu, de la diaspora masculine ou féminine malagasse et que vous voulez également faire partie de l'émission gascarienne Woman on Top ou gascarien Men on Top, eh bien n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout sur la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube de Aaron, n'hésitez pas à aimer sa page Facebook pour suivre toutes ses vidéos et pour être au courant de toute mise à jour qu'il poste sur sa page et sa chaîne. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.